Merci. Merci au musée d'histoire des sciences, au Salon du Four et aussi au Club Alpin Suisse pour cette magnifique matinée. Moi, j'apprends des tas de choses, je suis géographe, mais la cartographie, c'est une science qui est très compliquée et toujours perfectible, finalement. Alors, je vais, en quelque sorte, vous ramener à une histoire plus ancienne de la représentation du relief. On va partir un petit peu du début. Juste rappeler les quatre fonctions de la carte, les quatre dimensions de la carte. C'est une image du monde, c'est un reflet de l'époque. C'est aussi un instrument de repérage, comme on l'a vu, un instrument de navigation, d'exploration. Ça a aussi été un instrument, c'est toujours un instrument de pouvoir. On l'a également vu ce matin. Et puis, une quatrième dimension que je rajoute, la carte, le fait de regarder les cartes, à mon avis, c'est aussi une forme de méditation, ce que j'appelle la méditation cartographique. C'est le romancier James Cowan qui a écrit le rêve du cartographe en se replaçant dans la vie de Framaoro qui a cartographié à la main la map monde. Et c'est vrai que c'est une fonction qu'on oublie fréquemment. Alors, c'est la première représentation connue d'un relief, 6200 avant Jésus-Christ, en Turquie actuelle. En fait, le concept de représentation du relief est déjà là. On a une vue verticale par rapport au site, à la ville qui existait à l'époque. Ça ressemble d'ailleurs à une sorte de cadastre, vu d'en haut. Et la personne qui a dessiné ce site s'est posé la question, comment représenter le volcan qui est situé à distance? On ne peut pas se situer sur la montagne, donc on va le représenter dans une autre perspective, qui est là une perspective horizontale. Or, toute la représentation du relief et sa difficulté, c'est d'osciller entre une perspective, si vous voulez, horizontale, oblique, verticale, pour justement donner l'impression du relief qui n'est absolument pas donnée par la représentation pure, verticale, comme c'est le cas pour le site Avignon. Ça, c'est le volcan, donc c'est la plaine Konya en Anatolie, et ça, c'est le volcan qui se trouve donc à 140 km de ce site archéologique qu'on a reconstitué. On fait un très grand saut dans l'histoire avec la carte de Peutinger, qui est une carte romaine, qui a été, on n'a pas retrouvé les originaux, redessinée, recopiée à la Renaissance. Peutinger, cartographe allemand. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on a le lac Lezonnet, donc le lac Léman, avec le Rhône, et on a une représentation de la barrière des Alpes. Et qui franchissent la barrière des Alpes, les routes romaines, parce que c'est une carte routière, c'est la première carte routière de l'histoire. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un message politique, c'est-à-dire que Rome ne se laisse pas arrêter, en quelque sorte, par l'obstacle. Hein. La route franchit droit le Grand Saint-Bernard, probablement, puisque on est à Octoduro, voilà, Martigny, et puis là, c'est l'autre voie pour Saint-Pierre, côté français. Là, on a la Méditerranée. Alors, c'est une carte qui est très désorientante, si vous voulez, parce qu'elle est longiligne, elle est longitudinale, elle représentait toutes les routes de l'Empire, du sud vers le nord. Là, on a d'ailleurs un Proarpi, Curassien, nord, lac, Léman. Si on va au Moyen-Âge, on a une grande perte du savoir cartographique, on a beaucoup de désorientation, justement, durant cette époque. Ça, c'est la carte d'Ebstorp, vers 1230,
en Allemagne, c'est une carte théocentrée, c'est-à-dire c'est une carte qui est centrée sur Jérusalem. On voit que c'est une carte christomorphe parce qu'on a la tête du Christ en haut, et puis on a les deux mains, et puis les deux pieds, en quelque sorte que le Christ incarne le corps de la terre. Si on fait un agrandissement, j'ai repris ça dans Cartographica avec Helvetica, plusieurs années, le collègue Zurichois avait justement agrandi une partie de la carte avec Rome, ici, la Louvre, grand centre symbolique, et puis on retrouve le lac Léman, ici, Genfersee, ici, Strasbourg, Zurich, la Ligurie, Gênes, donc une immense désorientation. Ce qui sort du lac Léman, ce qui en rentre, c'est un fleuve qui passe par Poire, donc ça devrait être le Rhin. Ça vous montre évidemment les problèmes d'orientation pendant une époque où on n'utilise pas la boussole, parce que la chrétienté a perdu l'usage de la boussole. En revanche, la cartographie arabe, même en précédent, du XIIe siècle, elle a gardé la connaissance des Grecs, et elle a évidemment fait usage de la boussole, qui était inventée en Chine. Et là, on voit l'Europe sur une carte d'Idrisi qui a été redressée au nord, parce que l'original est toujours orienté vers le sud-est, d'ailleurs vers le centre. Civilisation sacrée, pour Idrisi, c'est à la fois Jérusalem, à la fois la Mecque, puisqu'il est un cartographe arabe au service d'un roi chrétien, d'un roi normand, Roger de Sicile. C'est une carte qui est très avant-gardiste pour son époque, et si on fait un agrandissement, alors vous voyez, on a les chaînes de montagne, alors il a dessiné des espèces de pinces, un peu comme des pinces de crabe, hein. Et puis on voit très bien les passages, les cols qui se dessinent. Alors on va voir un agrandissement que j'ai fait sur le lac de Genève, Genbara, hein, Genève, ensuite on a Berne qui est ici, donc elle est retournée, hein, ça c'est le sud, on a la Méditerranée, on a la Gênes. Et là, on a l'Adriatique, Ravenna, Ravenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ces espèces de chaînes de montagnes très primitives qui sont présentées avec déjà des passages. Alors, ne me demandez pas exactement ce que ça représente, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Là, c'est Mâcon. Bon, ben là, on a les Alpes. Alors, est-ce que c'est le Massif central? Il y a aussi beaucoup de désorientation. On a probablement les Apennins, hein, ici, puisqu'on a l'Italie, et ici, l'Adriatique. Mais enfin, une configuration qui commence à être plus ou moins cohérente au niveau, disons, du continent. Alors, ça c'est considéré comme la première carte en soi de la région lémanique, qui est tirée de la cosmographie de Sébastien Münster, Bâle 1544. On a une représentation des reliefs en bosses, hein, ce qu'on appelle la méthode des bosses, mais qui sont déjà bien alignés en chaînes de montagnes. On détecte quand même certaines chaînes avec l'arbre, hein, ici, et dans le Rhône, ici Bonne, on a aussi le lac de Neuchâtel, avec la Cille, c'est la Tielle, hein, qui va se jeter ici dans le lac de Neuchâtel, et puis les différentes communes qui bordent le lac, Versoix, Coppet, Nevis, Lyon, Rolles, Saint-Pré, Morges, Lausanne, on ne peut pas bien lire, le Loyer, Zilium, Clarence, Zilium c'est Chillon, c'est probablement très peu évident en fait, c'est plutôt évident.
Bon, là, effectivement, on a eu des difficultés. Bon, on le perd absolument tout en haut. C'est une carte qui est très proche de la carte de Johann Stumpf, qui est une des premières cartes de la Suisse. On dit que c'est la deuxième après celle de Vidus Tschudi, mais c'est toujours très compliqué à dire, première, deuxième. 1548, il a fini son travail en 1546, et on voit que le lac Léman, la forme du lac, également des montagnes, sont très proches. Vous voyez, je les ai mis côte à côte, ça se ressemble beaucoup. Alors, dans les dernières interprétations, en fait, ce serait la carte de Stumpf qui aurait repris la carte de Münster en la simplifiant, enfin en changeant un petit peu sa configuration, en ôtant quelques communes. Et il n'y a pas tout à fait exactement le même nombre de communes. Mais on a des cours, par exemple, hydrographiques sont très semblables d'une carte à l'autre. Donc là, il y a eu, à coup sûr, une copie d'une carte sur une autre. Alors là, on passe à la Renaissance italienne, puisqu'on a un cartographe piémontais, Fornaseris, qui a dessiné... très belle carte, qui est aussi un peu en peinture et cartographie, en 1589. Ce qui est intéressant, je trouve, sur cette carte, c'est qu'elle représente un microcosme, une sorte de microcosme parfait, une région très harmonieuse, qui est encadrée par les montagnes, et qui est dessinée aussi selon les principes paysagers, puisqu'il y a un ciel. On dit toujours que contrairement au territoire, le paysage a un ciel. Donc c'est une carte qui est à mi-chemin entre la carte du territoire et la peinture paysagère. Avec évidemment des montagnes qui sont une terra incognita à l'époque, qui sont très peu habitées. Vous voyez qu'on a une sorte de pain de sucre qui représente les Préalpes et les Alpes, le Jura, c'est une forme très, très arrondie. Mais une des qualités de cette carte, c'est d'avoir déjà bien tracé les chemins, les ponts, vous voyez, il y avait très peu de ponts à l'époque, ça doit être il y a évidemment le pont de Lille, ça c'est certainement le pont d'Arves, ça c'est le pont de Chancy, très peu de ponts. Et puis les communes, les localités qui sont représentées à une distance assez égale pour montrer une espèce d'harmonie, si vous voulez, de l'occupation humaine dans cette région du Léman. Si on agrandit une section sur le territoire genevois, on a une représentation de la colline de Champel avec les pendus. Bon, les hérétiques, bon, à l'époque, ça a été fait par un Savoyard, pas l'oublier, un Piémontais, et vous voyez qu'il y a un message géopolitique, on a les armées de la Savoie qui s'apprêtent à envahir Genève, donc c'est une carte assez menaçante, si vous voulez, par rapport au territoire de la réforme. Mais en disant avant l'escalade, très bonne idée. Une partie de la chorographie de Bénard, donc chorographie ça signifie une carte qui est d'échelle, de grande échelle, choros c'est le lieu en grec. Là on peut dire qu'on a déjà sur cette, c'est pas une carte, hein, c'est plutôt une perspective plongeante, c'est une vue topographique disons. C'est plus qu'une vue cavalière parce qu'on est bien au-dessus du Jura, on n'est pas juste
à cheval, en cycliste quand même bien, bien en hauteur. Et là, on voit très bien cette espèce de compromis entre une perspective qui est, je dirais, pas tout à fait verticale, peut-être oblique haute, et puis ensuite, on va vers la perspective oblique basse et panoramique pour le massif du Mont Blanc. Alors, comme c'est une chorographie, le cartographe est surtout intéressé par les détails proches de la région. Vous voyez, le Salève, le petit Salève. La pierre du Miton. Vous la voyez devant, tout bas. Ça, c'est l'île des Barques qui sera la future ville ruisseau. Alors, la pierre du Miton, elle serait. Elle serait par là. Elle a l'air un petit peu. Effectivement, on voit très bien. En revanche, on voit très bien les falaises, hein, la falaise de Pacha, la falaise du Bois de la Bâtie, Montou, la colline de Maître à Montou, avec Almas, et ainsi de suite. Donc, une très bonne cartographie des détails topographiques proches. Alors là, voyez, on passe en quelque sorte dans une autre époque. C'est le code rationaliste du XVIIe siècle avec la carte de Gounard 1605, qui est toujours orientée d'ailleurs vers le sud-est. C'est une carte qui est faite évidemment sans théodolite. Il n'y a pas encore de triangulation. Il doit y avoir quelques mesures très, très empiriques, hein, qui sont faites comme vous. Du sol et un compas, on voit tout de même que la forme du lac est beaucoup mieux dessinée que 20 ans auparavant. En revanche, la question de la représentation du relief n'est pas encore résolue. Il faudra, comme on l'a vu, passer beaucoup plus tard pour voir cette représentation du relief, donc l'axe Z, si vous voulez, bien représenté. Mais enfin, on a quand même. La Dôle ici, il dit que c'est la montagne la plus haute du Mont Jura. Et puis si on regarde un peu les montagnes proches, on va voir aussi, oui, il faudrait faire un petit agrandissement. C'est une carte hollandaise qui est recopiée intégralement de la carte de Goulard, 30 ans plus tard, 1636, éditée à Amsterdam. Et là, on voit très bien que la Dôle, hein, la montagne la plus haute, est toujours là. Et en revanche, on a le Mont Sion et le Salève. Le Mont Sion est très surdimensionné par rapport au Salève. Donc les Hollandais n'ont pas fait progresser, si vous voulez, la science cartographique par rapport à la représentation du relief. En revanche, il y a un réseau hydrographique qui a été recopié d'ailleurs, qui est très, très détaillé. Alors, 1663, on peut dire que c'est la première carte de la région lémanique. Bon, elle est coupée au nord, c'est une carte qui est faite par le géographe de Louis XIV, Nicolas Sanson, et qui représente les montagnes en chaîne. Donc on a à cette époque, en quelque sorte, arrêté le système des bosses, et on a les chaînes avec également les passages qui sont indiqués, hein, des vallées. Alors, c'est pas encore tout à fait complet ni précis, mais c'est une première approche, disons, topographique de la représentation de la montagne. Vous voyez qu'il ne faut pas faire de jaloux, il
Là, à Tiché, à Genève et de Lausanne et de Tenon, ce qui est logique, finalement. Et ensuite, il n'y a évidemment aucune de ces appellations qui sera restée. Ça correspond plus ou moins le territoire à la Haute-Savoie actuelle, plus ou moins. Et là, j'ai fait un agrandissement du Jura. Donc, il n'y a plus le nom des sommets. Ce n'est pas tellement ce qui l'intéresse. Là, je pense qu'il intéresse pour des raisons militaires. C'est les passages, finalement, entre les chaînes de montagnes et, évidemment, les localités. Exactement la même année, une feuille, fragment de l'Atlas Blau Amsterdam. Vous voyez, au niveau des... La présentation du relief, on a toujours cette méthode des bosses avec la dôle, montagne très haute. Donc la dôle, la montagne la plus haute du Mont Jura, Boulard 1605, se transforme en la dôle, montagne très haute. Ça veut dire que le cartographe sait qu'il y a un sommet qui est plus haut que la dôle, sur le Jura. Effectivement, près de la neige, qui est plus au sud. Ouest. C'est une carte qui a d'autres qualités, c'est une carte qui montre pour la première fois les voies de communication, de manière bien visible, hein, les routes. Et puis il y a aussi une standardisation des symboles qui apparaît au niveau des localités, qui sont plus dessinées avec le poinçon, avec le château, le palais, l'église, mais certes. Alors, l'évolution de l'altimétrie, j'ai pas pris de Mont Blanc, je me suis contenté d'une montagne plus modeste que j'ai escaladée bien plus souvent que le Mont Blanc, c'est la Dôle, plus facile aussi. Vous voyez, en 1636, la Dôle, montagne la plus haute du Mont Jura. Ensuite, donc, perspective, pas encore d'exactitude, hein. Mais là, avec les cartes de Cassini au 18e, on a effectivement déjà l'usage de la triangulation. On voit qu'il y a une perspective, d'ailleurs qui ne montre pas très bien le relief, hein, qui est juste au niveau, assez près, juste exact au niveau vertical, mais qui ne montre pas la plasticité du relief. Donc il faudra attendre des cartes postérieures, comme celle de Mallet, aussi Pictet, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui... par un système d'ombrage, de hachure très rapproché, montre en quelque sorte l'aspect réel, si vous voulez, de la montagne, avec un effet de plateau quand même sur les sommets. Donc on est en perspective oblique. Ici. Et là, on est en perspective quasi verticale. Donc pour représenter un relief, on joue toujours sur... évidemment une exactitude au niveau planimétrique, mais un dessin artistique qui représente l'objet de manière oblique. Alors l'évolution jusqu'à l'heure actuelle, ça c'est la carte du four, c'est toujours l'anneau. Là on a cette impression, si vous voulez, de relief, hein, qui ressort très bien. Avec la carte Siegfried, qui fait, elle, fait ressortir les courbes de niveau, alors on a moins cette impression de plasticité, et la carte actuelle est une synthèse, en quelque sorte, entre la technique de Dufour et la technique de Siegfried, améliorée évidemment par tous les instruments actuels, pour représenter la dôle de manière... à la fois très scientifique puisqu'on a les courbes de niveau, mais aussi artistique puisqu'on a les ombrages, on n'a plus les hachures, mais on a, ça c'est très particulier à la carte de la Suisse, on a ce qu'on appelle la teinte hypsométrique. Alors ça, je ne sais pas si d'autres pays le font, mais la teinte hypsométrique, en fait, c'est la couleur un peu jaune qui montre l'éclairage de la carte qui vient du nord-ouest, donc l'éclairage du soleil. En fait, le soleil n'est jamais au nord-ouest, hein, c'est une
une reconstitution, mais c'est très important, enfin vous l'avez certainement déjà exercé, si vous faites de la carte sur le terrain, pour savoir si on est sur un versant qui est vers le nord-ouest ou bien de l'autre côté, où la teinte est blanche. On va très bien. Sur la carte française, vous n'avez pas, hein, ça c'est une carte hygiène contemporaine, vous n'avez pas apparemment cette subtilité. Par contre, on a une sorte de dessin, des ombrages qui est plus appuyé, plus contrasté. Donc chaque école, finalement, cartographique, presse. Bien différent. C'est compliqué parce qu'il faut présenter toutes ces stratifications qui affleurent et qui est un peu à flanc de montagne. On la voit pas très bien verticalement. Donc, comment représenter cette stratification rocheuse par un peu de dessin, mais surtout des ombres. Alors, la carte à petite échelle de la région lévanique, alors on voit très bien que là, l'usage est plutôt carpetière, mais le relief ne disparaît pas pour autant. On a une sorte de modelé de terrain qui apparaît hein, sur le fond de carte. Mais ce qui fera beaucoup par rapport aux premières cartes que je vous ai montrées de Münster, c'est que ces cartes du XVIe étaient faites par les naturalistes. Elles montraient un monde finalement très proche de la nature. Et aujourd'hui, on a plutôt un usage politique ou d'aménagement du territoire qui est fait et qui exagère, qui surdimensionne la largeur des voies de communication, des routes et des autoroutes. Donc ça, c'est un parti pris. Et ce qui est aussi très exagéré, très marqué, c'est la frontière. La frontière nationale. Alors, quelques extrapolations actuelles. Ça, c'est une carte Google Maps. Vous voyez que c'est ce que j'appelle la cartographie légère. Géry Bretonne. Dans son dernier livre, Une histoire du monde en 12 cartes, hein, qui est paru chez Flammarion en 2013, va jusqu'à dire que Google Maps, c'est la disparition de l'art cartographique. C'est de l'information géolocalisée, c'est du système d'information géographique, c'est-à-dire qu'on peut superposer les différentes couches, on peut être évidemment travailler en interactif. Mais ce ne sont plus des cartes achevées parce que ce sont des cartes qui vont être modifiées à la carte. Hein, si on peut faire un mauvais jeu de mots, je dirais que si on devait comparer ça à la cuisine, ça c'est du self-service. Et puis ça, je dirais que c'est de la gastronomie. Alors il y a l'avantage et l'inconvénient des deux. Hein. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et si on prend la dose, vous voyez sur un Google Map, il n'y a pas de route là-bas, donc très peu de choses. Vous voyez la dose, c'est l'aplatissement total hein, de 5 siècles de cartographie. Mais évidemment qu'on peut reconstituer, vous voyez, le modèle de terrain qui a été fait quand même par Google Map, de manière probablement moins exacte. Hein, sur Sistopo, mais on a quand même un modèle 3D qui permet des applications multiples, photo aérienne, Google Earth, c'est toujours intéressant. Et puis là, ça c'est la grande innovation de Google Earth, c'est que vous pouvez basculer du mode vertical au mode oblique, basse, voire panoramique, hein, avec un sommet de radio ici. Le départ, et puis je crois qu'il y a la chaleur aussi de plein air. Manger, effectivement, boire un pot avant de faire la dernière partie des siennes. Et là, ce que je vous disais avant, le plat bien préparé finalement de Sistopo, bien formalisé, avec les groupes d'animaux, les rochers, les chemins,
bien hiérarchisé, etc. Bon, je suis un fan de Sixtus Rouge. J'adore naviguer en quelque sorte pour rien, c'est-à-dire se perdre dans le territoire. Je possède Google Earth. C'est un plaisir. Et je vais finir par quand même dire un mot sur Christophe Ziegler, qui a inventé le perspecteur mécanique, c'est-à-dire qui est arrivé à rendre le relief vers 1900, sans être monté, évidemment, au-dessus des reliefs. Il est monté sur le Jura, là, évidemment, mais c'est tout à fait remarquable. Hein, la vue qui est sur le site du CERN, avec le Mont Blanc au fond, dans une perspective légèrement différente, on a une perspective plus horizontale, sur celle-là, d'ailleurs elle est décrite, vous voyez, carrément sur le Jura, là je pense qu'il s'est projeté plus haut que le Jura, il est presque à hauteur de la base du Mont Blanc. Enfin, tout ça pour montrer que la région lémanique est un laboratoire extraordinaire pour la présentation du relief, et c'est bien la région lémanique qui a été choisie par d'abord la NASA et puis ensuite les images satellitaires qui étaient d'abord faites aux États-Unis pour servir en quelque sorte de modèle de présentation du relief, puisqu'on a quand même des plans successifs extrêmement intéressant de dire qu'il y a 7-8 plans paysagers. Si on va par exemple ici, si on va dans le parc ou si on va au Rangeron, j'ai compté 7-8 plans paysagers. Bien, je pense que j'ai fait mon temps, donc je m'arrête ici, je vais parler des autres.